Without a rubber in the eye, and I can't try to find a rubber out of me. Oh, wow.
Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. Bon, je sais pas s'il y a grand monde qui suit pour l'instant. Je vois que deux personnes qui sont sur le chat. Mais bon, bonsoir à vous deux pour l'instant. Oui, petite erreur de manipulation d'OBS pour lancer, mais c'est pas grave. De toute façon, c'était obligé qu'il y ait des soucis techniques. Donc, bienvenue sur le deuxième stream de Beyond Good and Evil. On a fait le début de l'aventure la semaine dernière, donc on reprend exactement au même endroit. Ah, salut Radan, non, tu n'as rien raté, juste un petit fail de lancement du jeu. Donc j'espère qu'il y aura beaucoup moins de lag sur le chat. Ouais, j'aurais pu mettre un message sur Twitch, mais bon, oui, c'est sûr. Bon, j'aurais dû lancer en fait un petit stream sur Twitch, juste pour envoyer des mails à tout le monde. C'est pas grave. Ils se démerderont la prochaine fois. Je ferai ça pour la semaine prochaine. Donc on reprend le stream. Donc là où on était la dernière fois. J'espère qu'on n'aura pas de soucis techniques. J'ai pas la crève, donc je devrais renifler beaucoup moins. Et j'espère qu'il y aura moins de désynchro entre le son et la vidéo comme on a eu la semaine dernière. Donc pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, de quoi ça cause et où c'est qu'on en est. Alors, l'histoire se passe sur la planète Illys, planète faite à majorité d'eau. Très belle planète, on va le voir. Donc cette planète est attaquée par les Doms, une race d'extraterrestres. Qui on sait pas trop pourquoi ils sont là, mais ils lancent des attaques sur la planète. Nous, on joue cette personne qui est Jade, qui est une reporter, qui vit sur un phare, qui abrite un orphelinat. Donc au début du jeu, l'orphelinat est attaqué par les Doms, et on doit les taper, et après on doit trouver des crédits et des perles pour faire en sorte de bon d'avancer dans l'aventure. On reçoit une première mission qui nous amène à l'île aux Noirs. Premier, je dirais, première zone principale du jeu, premier donjon pourrait-on dire, qui est en fait, qui se révèle être un test pour le réseau Iris, donc une espèce de, comment dire, de résistance face aux sections alpha que j'ai oublié de dire, qui sont en fait une force militaire qui est censée lutter contre l'invasion des Doms. Donc j'espère que j'ai assez bien résumé la première partie. Donc le truc c'est qu'à la fin de la première partie, on nous a donné un code pour aller voir le réseau Iris, pour les rencontrer et ils vont nous donner la mission à faire ensuite.
Donc je lis à l'arrache un peu le chat puisque j'étais assez concentré pour faire mon résumé. Donc bonjour à ceux qui nous ont rejoints. C'est bon, vous avez trouvé, on a changé, on n'est plus sur Twitch, on est sur Hitbox. J'espère que ça va marcher pour le un peu moins de lag puisqu'apparemment vous aimez qu'il n'y ait pas trop de lag entre quand je parle et quand vous écrivez. Donc voilà, là on rentre sur l'hydroglisseur qui va nous permettre de nous déplacer sur Ilis. Ah, salut Zad, salut Jackie Chan. Et tous ceux que j'ai pas encore vus, Rada. T'as réussi à te sortir de Dragon Age, Rada. Donc voilà, là on est sur Ilis, planète faite entièrement d'eau, enfin majorité d'eau. Donc ça c'est le phare où vit Jade et l'orphelinat. Donc là on est de nuit, c'est joli. On peut regarder le ciel, on peut regarder les constellations. Sachant qu'à la base, Michel Ancel voulait qu'on puisse se déplacer sur d'autres planètes. Mais à cause des limitations techniques, on peut pas. Mais on peut juste prendre en photo, voilà, le ciel et tout ça, les consciences. Et les différentes constellations, mais là, je n'en ai plus. Alors. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va commencer par aller en centre-ville. Donc, on allait, je suis allé la dernière fois chez Mamago, le garage Mamago qui permet d'acheter les pièces pour l'hydroglisseur. Et j'ai acheté le canon qui va nous permettre. Ouais, c'est cool. Donc j'ai acheté un canon, on va voir à quoi il sert bientôt. Oui, Radin, on retourne à Lakudabar. Donc voilà, ça c'est le centre-ville. On a fait quelques courses à la fin du stream dernier. On a chopé deux perles. Oui, alors, Jackie Chan, tous les streamers d'HFR ne sont pas ponctuels, hein. J'essaye de l'être, mais il y en a beaucoup, ça l'arrache, hein. Donc voilà le centre-ville. C'est qui Charles Quinn Shinseki? C'est quoi cette vanne? On n'a pas de qui est là. Alors je vais acheter des journaux parce que j'ai un peu d'argent. Donc ce que je n'ai pas fait. J'ai un peu d'argent donc je vais acheter des journaux. Identification compte. Ok. Ok, c'est cool. Alors, je veux m'abonner. Et il y suit. Donc, on va s'abonner aux deux. 50 unités, j'ai plein d'unités. Ok, on va prendre les deux. C'est juste pour vous montrer l'information officielle okay, comparée à l'information officieuse, va-t-on dire. Qui va c'est prendre de bon, plus en t'es plus d'importance enregistré. dans le jeu. Voilà, là j'ai acheté les deux, c'est cool. Alors oui, Radat a dit la même chose pour les châteaux de la Loire et Venise la semaine dernière, mais bon, on devait plus avoir grand monde quand t'as dit ça, c'était à la fin du stream. Alors voilà. Félicitations, vous avez choisi de vous abonner à l'officiel d'Ilis, l'information citoyenne. Ah, Charles King, Charles Queen, pour Charles Roy. Waouh, c'était chaud là, j'ai pas compris la vanne. Donc voilà, Lakudabar, un des lieux principaux du jeu. Akudabar, Barakuda, pour ceux qui auraient pas compris la vanne. Donc voilà, vous vous rappelez de Francis qui m'a mis une bonne branlée la semaine dernière? Ben, je crois qu'on va y rejouer. On va se reprendre une branlée contre Francis. Je m'étais fait humilier, mais on va quand même sauvegarder avant. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, je rappelle que Francis, on peut gagner la perle qui est sur sa tête. Et on va jouer à ce jeu de palais. Jackie Chan, les abonnements, ça sert juste à. Ah merde. Petit souci technique, j'ai le chat qui vient de disparaître. Alors, je vais devoir Altabé. Altabé qui va faire disparaître. Alors, normalement, comme j'ai Altabé, je viens de me faire avoir. Heureusement, j'ai sauvegardé juste avant.
Oui alors, la question, les abonnements, ça sert à avoir des mails que je vais vous lire, mais je vais devoir arrêter le jeu parce qu'à cause de l'altab, je perds tout le HUD, bug à la con, parce que mon chat s'est masqué sur mon deuxième écran, c'est pour ça que j'ai dû altaber. Eh merde, donc j'arrête le jeu. Et je relance le jeu. Hitbox, le turfu, ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Arcane? Il y a un souci pour la vidéo, j'ai changé d'encodeur, c'est moche, c'est possible. C'est à cause des problèmes de désynchro entre l'image et le son que j'ai eu la semaine dernière, c'est pour ça que j'ai changé l'encodeur. Non, les mails, je pense que Jackie Chan parlait des mails. Des mails qu'on reçoit à l'écran, je devrais dû en recevoir un, sauf que je ne le reçois plus. Il est arrivé tout à l'heure, bon, c'est pas grave. On va se prendre une branlée par Francis, on verra plus tard. Et parlons, Francis. Ouais, sur les larges mouvements de la caméra, ça pixelise parce que voilà, c'est l'encodage qui est. J'ai changé d'encodeur. Et le X264 est mieux pour ça, mais sauf que j'ai des problèmes à cause de si je l'utilise, donc j'ai changé. Allez, je parie 1000 contre la perle. Je suis chaud, je vais gagner la perle. Oui, Zad, c'était quoi la question? J'ai pas trop de. Comme j'ai augmenté la police du chat, il n'y a pas trop de questions. Donc il n'y a pas trop de texte, donc désolé si j'ai raté ta question. J'upload à combien? J'upload à 900 kilos. Oui, j'ai de la DSL, c'est de la merde. Peut-être que dans 2 ou 3 ans, j'aurai la fibre chez moi. C'est de la DSL classique. Allez, c'est parti. Là, je lis pas le chat. Je suis concentré. Je vais choper la perle. Il faut que j'envoie ces putains de palets de l'autre côté. Ça commence super mal. Je me suis en train de me prendre une branlatasse. Concentré. Je suis concentré. Je parle pas. Putain. Putain de ta mère. Allez, je suis concentré. Ah! Putain! Putain, je me fais troller en plus. Ah! Allez, c'est chaud là, c'est chaud là, c'est chaud. C'est une des perles les plus chaudes du jeu à voir. Ah putain, c'est bon là, c'est bon là. Allez, 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 putain. Ah. Ah merde. J'espère qu'il n'y a pas d'enfants qui regardent ce stream avec toutes les saloperies que je suis en train de dire. Interdit au moins de 18 ans. Allez! Ah putain! Ah papa papa papa! Allez, allez, allez! Oh, j'étais presque là! Ah, pop, pop, pop. Ah, il m'a baisé, il m'a baisé. Ouais, t'as perdu. Putain. J'ai pas de cul, mais j'ai pas de cul, c'est pas possible. Mais merde! Ouais, bien planqué les palais là. Putain, mais j'en envoie un, il m'en renvoie 10 quoi. Mais ouais, vas-y! Pas mal, j'aime.
Ah, pop, putain. Allez, il m'a baisé là. S'il en a plus qu'un, elle va te faire foutre. Ah. Eh. Va te faire foutre, je charge ma partie, je m'en fous. Je sais pas où c'est. Chargement. Eh, m'en fous. Bon, tant pis. Je rejouerai plus tard. Eh. Je vais pas perdre 1000 crédits. Hein. Alors, oui, est-ce qu'il y a eu des questions? Je n'ai pas vraiment regardé pendant cette partie très tendue où je me suis fait encore humilier. La dernière fois, j'avais oublié d'aller voir ce mec. Il faut lui parler. Ouais, je gruge un peu, quick load, ouais, ça va. Donc là, je viens de gagner un code que je dois utiliser quelque part. Donc là, voilà, j'ai reçu un mail. C'est ça à quoi sert le journal. On ressort ça. Sans le courage exemplaire des sections alpha, le bilan aurait été encore plus lourd. La campagne de recrutement s'intensifie. Donc voilà, les mails, ça sert à ça. Tu t'abonnes au journal, tu reçois les mails officiels du gouvernement. Si vous aimez la musique de Beyond Good and Evil, elle était disponible à une époque gratuitement sur le net, hein, sur le site officiel du jeu. Mais depuis, Ubisoft l'a fait retirer. Alors, donc là c'est bon, maintenant on va aller parler au mec d'en haut pour avoir accès. Non, les news aident pas, c'est juste pour l'histoire, voilà, ça permet de rentrer dans le jeu. Donc, comment s'appelle déjà ce jeu où on doit trouver une boule parmi trois... qui est caché sous trois trucs, parce qu'on va jouer à ça. Donc si le chat est vraiment en direct ou quasiment, c'est vous qui allez choisir la boule. Allez, on va miser 50 crédits pour commencer. On va jouer en facile. Donc c'est vous qui allez me dire où c'est qu'elle est planquée. Je vais me faire ma propre idée. Et on va voir si on est d'accord. Allez où alors? Je dirais au milieu. Choisissez la boule. C'est pas en direct? Eh ben alors là? Personne pour me dire où c'est qu'elle est planquée? C'est pas du direct là, normalement y a pas de délai entre le chat là. Ah, merci Bulltom. Ah, y a 10 secondes de délai quand même. Après on me dit que c'est ultra rapide sur Hitbox quoi. Bon, moi je dis qu'à le milieu. Voilà, j'ai gagné. Bon, maintenant vous suivez. On va miser 200 crédits. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Parce que là, ça va aller vite. Attention. Oh putain, je l'ai perdu. Enculé. Je crois qu'elle est là. Ah ouais, 25 secondes de délai. Ouais, quand même. Ah ouais, là, il y a un max de délai, quand même. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ah, la prochaine, si c'est pour faire ça, la prochaine fois, je resterai sur Twitch, hein. Bon, allez, droite, comme moi. Waouh. Bon, maintenant, on va quand même continuer le jeu. Donc, on va lui donner le mot de passe.
Ah merde, j'ai même pas regardé. Attends, c'est où? J'étais en train de lire le chat, merde. Au milieu, je crois. Bon, ouais, c'est bon. Je te donne la chambre numéro 3. Je suis sûr que tu l'apprécieras. Il y a une magnifique armoire ancienne. Je te recommande d'y jeter un œil. Bon travail. S5B7. Alors, S5 B7. Bah, la durée d'encodage, c'est encodé chez toi, donc il n'y a pas franchement de lag, puisque c'est juste le temps d'envoyer le flux vidéo sur les serveurs de Hitbox, et voilà quoi. Hop, on rentre là-dedans, et tac. On est dans le repère de la résistance, le réseau Iris. Mes amis, laissez-moi vous présenter Jade, notre nouvel agent. J'espérais que tu viendrais, un proche. Voici May, rédaction et diffusion de Iris, notre journal. Nino, écoute radio, transmission et colleur d'affiches infatigable. Salut. Sur ces écrans, tu peux voir la plupart de nos correspondants. Ils opèrent à travers l'univers sur plus de 13 systèmes différents. Tu connais déjà Belle Mirette? C'est lui qui a eu l'idée de te proposer le job, il savait que tu réussirais le test. Bien sûr, ça crevait les yeux. Elle a du talent, la petite. Bien, écoute, Jade. Les événements s'accélèrent. Une bombe d'hommes a explosé dans les canaux. Bien sûr, les sections Alpha ont bouclé le secteur et ont embarqué tout le monde. Pour les soigner, tout simplement? Aucun hôpital n'a reçu les victimes, Jade. Dès l'annonce de la nouvelle, le gouverneur d'Ilis nous a contactés. Elle est prête à nous aider, mais son QG est sous surveillance. Tu peux nous aider à sauver ces gens, Jade. Nino, fais-nous un point sur la situation. Voilà ce qu'on sait. Les victimes sont enlevées par des agents des sections Alpha. Elles sont ensuite acheminées jusqu'à la fabrique de neutrines. Les navettes prennent le relais jusqu'aux anciens abattoirs. Puis, chargement dans un croiseur militaire, direction la Lune. Nous ignorons ce qu'ils leur font subir. Aucun de nos agents n'est revenu de ces endroits sinistres. Il y a 4 jours, nous avons perdu la trace de Double H dans la fabrique de neutrines. C'était notre meilleur agent. Et un ami. Double H devait rapporter des preuves du trafic des Doms. Ces derniers clichés sont terrifiants. Un mangeur d'esprit? Il faut reprendre la mission, Jade. Tu peux refuser. Continue. Nous avons besoin de preuves. 1. Tu t'infiltres dans la fabrique de neutrines. 2. Tu prends des photos des sections Alpha et de leurs victimes. Tu resteras en liaison permanente avec May. Elle diffusera tes clichés aussi vite que possible. Les gens doivent connaître la vérité. Moi aussi, je dois savoir. Je dois savoir qui dit la vérité dans tout ça. Bien, voici un City Pass officiel, fourni par le gouverneur. Il t'ouvrira certaines portes. Bonne chance. Voilà la première clé du jeu qu'on a gagnée. Jade, si tu veux, je t'ai gravé un M-disque. Je te l'ai mis là. Tout y est expliqué en détail. Hop, et voilà, on a notre mission. Qui est expliqué. Donc on va lire le M-disque. D'abord on va sauvegarder quand même. Avant de faire une connerie. Hop, on va lire le disque. Les sections Alpha nous trompent. Elles sont contrôlées par les Doms et profitent de la débâcle générale pour enlever des innocents. Grâce à Double H, nous connaissons le cheminement des victimes sur Ilis. 1. La fabrique de neutrines. 2. Les anciens abattoirs dans des navettes. 3. La Lune dans un cargo croiseur. Nous devons mettre un terme à ce cauchemar. Chaque preuve du complot nous apportera davantage de soutien de la part du peuple. Un soulèvement général nous permettrait de renverser les sections Alpha et de sauver des milliers d'innocents. Si la révolte s'étend, nous pouvons peut-être mettre fin à la guerre. Pour ça, il nous faut des preuves photos pour savoir ce qui se passe à la fabrique. Des photos des victimes, des photos des sections Alpha sans leur casque, pour connaître leur vrai visage. C'est là que tu interviens, Jade. Tu reprends la mission de Double H.
Voici son dernier communiqué. 19h23, je suis dans l'enceinte interdite. 19h30, j'aperçois les navettes qui vont et viennent de la plateforme superbe. 20h03, j'ai réussi à pénétrer dans la fabrique. 20h50, je suis épuisé. J'ai dû nager au moins 3 kilomètres. 21h10, je suis dedans. Ça y est, je vois les caissons noirs. Du bruit. Hé, qu'est-ce ? Apparemment, ils ont dressé un faucheur. La présence de cet animal et les rayonnements Sigma sont la preuve de l'existence d'un mangeur d'esprit. Ce sont ses derniers clichés. Depuis 4 jours, plus rien. Silence radio. Bleu H était notre meilleur reporter. Il a fait énormément pour nous. Grâce à lui, le réseau Iris a pu entrer en contact avec le gouverneur d'Ilis. Le gouverneur est radicalement opposé aux sections Alpha et à leur méthode, mais elle ne peut agir à découvert. Elle est prête à nous aider si, de notre côté, nous faisons progresser la vérité. Et si de plus en plus d'Iliens font confiance au réseau Iris. Si tu tombes sur une porte de ce type, photographie-la et envoie la photo au gouverneur. Son service d'expert essaiera de te trouver le code. Nous comptons sur toi, Jade. Sois prudent. Donc voilà, là on a la mission, ce qu'on va devoir faire sur, dans les prochains niveaux. C'est-à-dire un reportage photo d'abord dans la fabrique de Nutril pour démasquer les sections alpha, montrer qu'elles sont de mèche avec les DOMS. Et donc c'est le boulot de reporter qu'on va voir pour les prochains donjons. Donc, qu'est-ce que vous dites sur le stream? Vous faites des tests pour le lag? Bah oui, ça marche pas terrible en fait, c'est pas très rapide le chat, vous qui disiez j'aurais dû me faire rester sur Twitch en fait, hein. C'est pas terrible terrible. Ah oui, instant anecdote, attends, d'abord je vais, voilà, elle, je l'ai pas prise en photo, donc il faut, je vais continuer de répertorier toutes les espèces de la planète. Voilà, ça c'est bon. Oh, j'ai plus, je gagne une pellicule. C'est bon, je te transfère une perle. Et je réinitialise ta pellicule. Hop, une perle en plus, ça c'est bon. Donc, comme j'ai dit, l'histoire elle est assez claire. On va devoir infiltrer la fabrique de Nutril pour faire un reportage. Et instant anecdote, vous voyez ce personnage, qui doit s'appeler Nino je crois, et qui était à la base, dans les premières versions de l'histoire, le frère de Jade. Après il a été viré de l'histoire en fait. Mais ils ont gardé le personnage parce qu'ils avaient déjà fait le PNJ et ils l'ont mis en tant que résistant dans le réseau Iris. Voilà, c'était la petite histoire, voilà. Quoi, c'est mon encodage, c'est 3 secondes de montre en main, qu'est-ce qu'il a mon encodage, y'a rien quoi. Bon, ok, je suis chiffré, j'ai tout compris, mais bon quand même quoi. Après j'en sais rien pourquoi ça marche. Il faut que tu choisisses un nom de code pour signer tes articles. Shoni. Non, franchement, je sais pas pourquoi il y a autant de. Je sais pas pourquoi il y a autant de délais, parce que bon. Je fais rien de spécial, hein. De toute façon, on attend encore tes streams, Rada. Toi, c'est bien beau de critiquer, mais t'as pas encore streamé un seul truc, hein. Ouais, non, je la retente pas là, je me suis trop énervé, on verra peut-être en fin de soirée. Donc vous remarquerez sur la course 1 et 2, j'ai pas battu les records. Donc si on bat les records sur les courses, il y a nos records qui s'affichent ici. Voilà, bah non. Ah quoi que j'ai pas parlé au gros non plus là, je crois qu'il me donne un indice pour une... Ouais, c'est là où il donne un indice... Ouais, un trésor qui est planqué dans le cratère d'un volcan, mais c'est pour plus tard ça. Ah, salut Adrien. Ah, t'as streamé? Ah bon. Bah faut pas faire les streams en plein milieu de l'après-midi. Donc là, on a toujours pas la clé. Là, il y a une porte, mais on peut pas y aller. Enfin, on peut rentrer, mais hop, c'est bloqué. Il faut l'aide de quelqu'un. Et voilà, même plus moyen de circuler librement. Ah, merci. Hop, on prend une photo de l'araignée. Ok, je le répertorie. Et on se fait un peu d'argent.
Ah, j'avais prévenu que la qualité allait baisser, hein, puisque j'ai changé d'encodage. Non, il faut partir par là d'abord. Il faut que j'aille faire un petit tour. Puisqu'on a gagné une clé dans l'an, j'ai accès à une zone. Ah là, il y a deux perles à vendre. Chose très intéressante. Quoique non, je vais d'abord aller ailleurs. Donc dans l'an, je peux passer maintenant. Puisque j'ai le pass. Donc alors, le pass, il nous donne accès à quoi? Donc là, il y a un truc, on peut pas aller parce qu'on n'a pas la clé. Il faut une clé spéciale. C'est normal. Là, normalement, il y a rien. Il y a rien. Je pensais, ah, c'est là, je crois. Mais il faut une clé spéciale. J'ai pas la clé non plus. Pousse-toi le cochon. Donc on est un peu bloqué. Il y a juste ça, on peut aller. Dans la boutique de Mingzhu. Ce cher Mingzhu qu'on veut prendre en photo. Je sais pas si je l'ai répertorié. Ouais, je l'ai répertorié. Mais pas ça. Ça avance vraiment bien. Bonne chasse. Alors. Donc on peut faire Cosette à Mingzhu. Donc on peut acheter des trucs. Ok. Et normalement. Voilà, il donne accès à un truc caché, Mingzhu. Et on gagne 2 M-disques. Qui sont deux numéros de Iris. Donc du journal fait par la résistance, par le réseau Iris. On s'abonne à Iris Flash. Parfait. Tu es enregistré. Tu Merci. Recevras des flash infos en direct. Parfait. Y a pas de machine. Il me semblait qu'il y avait une machine. Bienvenue parmi nous. Tu recevras en direct les flashs d'infos du réseau Iris. Ouais. Il me semblait bien qu'il y avait un lecteur de M10 dans le coin. Donc on peut lire les deux numéros. Qui ont été faits avant. Avant qu'on rentre dans la résistance. Dans le quartier piéton. Reportage double H. Les Doms ont encore durement frappé la population ilienne. Encore 850 personnes portées disparues depuis une semaine. La soi-disant protection des sections alpha contre les attaques Doms semble bien dérisoire. Encore 850 personnes. La soi-disant protection. Donc ça c'est le premier numéro. Et le deuxième. Iris 512. Inis sous les météores Doms. Les canaux, le garage Mamago et le refuge du phare ont subi hier une violente attaque d'Oms. Les boucliers de protection n'ont pas suffi à stopper les météores d'Oms. Les sections alpha ne sont intervenues qu'après. Les sections alpha sont incapables d'assurer la protection d'Ilis. Bon, ça dénonce. Et donc nous, le but c'est de faire les prochains numéros en faisant un reportage à la fabrique de Nutril. Petite sauvegarde. Alors, on va voir ce qu'il a à vendre quand même. Hop, faut passer la carte. Identification compte. Ok. Hop. Alors, qu'est-ce que je peux acheter? Il y a des trucs super intéressants. Qui sont le détecteur d'animaux. Le détecteur de perles. La super attaque renforcée qui est. Donc on va acheter les deux là. Ça évitera des allers-retours fastidieux. Qu'est-ce qu'on peut acheter en priorité? Qu'est-ce qu'on peut acheter? Iris, sous les météores d'Oms. Les sections alpha dépassées par les événements. Lisez le numéro 512 de Iris. Et ouais, il y a des soucis de délai, ça marche pas bien Hitbox, je suis pas convaincu, hein. J'ai voulu tester, mais pas terrible, terrible. Tac, tac, tac. On va
Allez, on va prendre la super attaque renforcée. J'ai du blé. Imposture, hitbox, imposture, imposture. Allez, un cœur. Parfait, yes. On viendra voir les perles après. Donc on a acheté pas mal de trucs. Normalement c'est censé indiquer maintenant. Donc la localisation des perles. Voilà, là ça indique où sont les perles. Les animaux. Et les lecteurs de M-Disc. Donc là il y a des perles, normal. Qui sont dans la boutique. Il y en a quelques-unes qui sont aussi sur la place. Mais on ne peut pas y accéder pour l'instant. Wesh Gibo. Gibo, pareil. Aujourd'hui c'est l'imposture hitbox. On me fait venir sur hitbox parce que on dit oh, il n'y a pas de délai avec le chat. Eh ben si, en fait il y a 20 secondes de délai quoi. Identification compte. Ok. 3000 la perle, c'est pas donné quoi. J'ai combien? On va acheter les deux. Hop. J'ai toujours pas trouvé celle-là de perles. Je pourrais aller. On verra. Tac tac tac, qu'est-ce que je pourrais acheter? Bonsoir Chatback. Ouais, les jeunes achètent. Donc ça c'est bon. Bon, j'ai plus trop de crédit. Mais c'est bon. Je vais juste partir à la Kudabar pour sauvegarder. Et on est parti pour la fabrique de Nutril. Il est quelle heure? 21h38. C'est bien pour attaquer la fabrique. J'espère que je vais terminer la fabrique avant la fin de ce soir. Bon, on verra. Je vais avancer. Au revoir Francis, on se revoit une autre fois. Tu m'as encore fait craquer. Mais oui, Shinseiki, c'est moi qui fais Nawak, c'est ça. Alors, la fabrique de Nutril, c'est par là. Alors, la fabrique, c'est là. Donc vous vous rappelez que j'avais tenté de passer, mais je m'étais fait virer comme Oula, j'avais pas vu ce truc là. Hop, photo. Merci pour toutes ces précieuses données. Attendez, je vais juste jeter un truc, jette un coup d'œil. Les animaux, ouais, il y en a. Il y en a dans le coin. Enfin, on verra plus tard à la fin. Donc là, vous avez la map du jeu. En rouge, c'est en fait, c'est pour l'instant, on est limité par. Donc là, je peux pas montrer puisque j'ai pas la souris. Enfin, j'ai pas la flèche. Mais donc, les petits trucs rouges, c'est les barrières qui nous bloquent pour l'instant. Et après, plus tard, on va pouvoir passer par-dessus. Oui, Jibo, la qualité du strip pas top parce que j'ai changé l'encodage. Je suis désolé, mais sinon, j'avais un problème. Je sais, ça arrive. J'utilise pas l'encodeur X264 que j'utilise d'habitude. J'utilise un autre. Donc voilà. Et sinon, mais grâce au changement d'encodage, par contre, il n'y a plus de délai entre l'image et le son qu'il y avait la semaine dernière. À 50 secondes de délai. La semaine prochaine, je retourne sur Twitch, au moins ça marche toujours. Là, j'utilise pas QuickSync, j'utilise le truc de Nvidia. Donc avant, on pouvait pas passer parce qu'on se faisait virer. Comme là, hop, on essaye de passer. Et hop, il me renvoie. Pour votre sécurité, veuillez faire demi-tour. À l'envoyeur. Merci de votre compréhension. Donc là, je vais lui péter sa gueule. Allez, hop. Et je peux rentrer dans la fabrique. Non mais qu'est-ce que tu dis comme connerie là, Zed? Je suis parti me coucher déjà? Hein?
Hein? Vous préférez quoi alors? Hitbox ou Twitch? Parce que Hitbox ça peut l'air bien marcher quoi. Ça j'ai déjà pris en photo. Pas celle-là. Vorax. On en voit de plus en plus. Zed qui a toujours pas perdu sa répartie. Sa célèbre répartie d'allemand. Ah bah le cochon oui. Casse-toi le Vorax. 2500 de bitrate. Oh, j'ai pas la fibre chez moi. Oh. Ok. Donc là normalement tu vas pas passer. Il a beau sortir sa pince, ça fait rien. Pas concluant. Ouais, vous avez vu, je saborde mon stream juste pour Hitbox. Non, Zad, tu n'es pas allemand, tu as juste un petit accent. Oui, c'est le code qu'on a décrypté il y a quelques jours. Chenny, tu es sur place? Si tu es bloqué par... Non mais c'est bon, j'ai déjà compris, j'ai déjà envoyé la photo, hein. S'il n'a pas changé, c'était ça. S9H7, ok. H, je ne connais plus mon alphabet. H7. Non mais la pixelisation, ça vient pas de la réseau de sortie, c'est l'encodeur que j'utilise qui fait plus de pixelisation. Il faudrait que j'augmente le bitrate, mais je suis limité à cause du bitrate et j'ai pas envie de passer à 480. On verra la semaine prochaine si je passe en 480, là je suis à 540, c'est déjà pas la joie, donc... Donc je sais pas après si le délai ça s'est pas amélioré. Allez, on envoie Tonton le Cochon qui va nous ouvrir la voie. Depuis le début du stream, on n'arrête pas de parler des paramètres de stream, mais bon. J'ai pas la fibre, hein, j'aimerais bien. Ah, faut que je donne un coup de pied en plus. Putain, tu peux pas faire tout le boulot. Ok. Maintenant, va falloir jouer fin, Jade. Te fais pas de bile, oncle Page. On prend juste quelques photos et on rentre. Johnny, j'ai repéré les positions probables des activités Alpha. Ouais. Ah, des rats. Superbe cliché. Ok. Donc si je regarde... Hop. Donc il y a des perles. Il y a des animals aussi, normalement. Il y a quelques animals. On va éviter des... Comme ça, grâce au détecteur, je reviens pas après pour si j'en ai oublié. Non mais Jibo, arrête de tacler là. Non mais 900 kg en 540 ça marche très bien d'habitude hein, avec mon encodeur. On n'a jamais rien dit sur mes autres streams, ça passe largement. Donc là on peut pas passer. Et là on peut passer. Ce n'est pas ça du tout que je voulais faire, pétasse. Donner un coup de pied à ce putain de rat. C'est bon, Jade! J'arrive! Ouais, tonton. Je veux le buter celui-là, je veux le buter. J'aime pas les rats. Alors. Au lieu de dire des conneries, si on streamait un peu le jeu, quoi. Alors, c'est par où la sortie? Par là. Bon allez tonton, on vient m'aider à pousser. Mais pas un tour de rein, bon sang.
Nathan. Mais pas un tour de rein, bon sang. Tu vas me faire user mes jet boots. Le moyen de transport du futur. Pas seulement, Jade. Pas seulement. Ha! Pas terrible, leur système de sécurité. Ah non. Un faucheur. Ils ont lâché un faucheur. Apparemment, il est en chasse. Il doit se balader dans les conduits. Oh, ça devient trop dangereux, Jade. On a besoin de nous au phare. Il faut laisser tomber. Si le réseau Iris dit vrai, alors c'est ici qu'on est les plus utiles. Vous remarquerez quand même qu'il n'y a plus de décalage entre l'image et le son, justement grâce à mon nouvel encodeur. Parce que c'est juste avec le X264 que j'ai des problèmes de délai. Donc c'est pour ça que la qualité est moins bonne aujourd'hui. Mais il n'y a pas de décalage. Parce que vous savez pas ce que vous voulez. Vous râlez pour l'un, vous râlez pour l'autre. Méchant. Alors, je ne sais plus par où c'est par contre. Donc il faut allumer l'ascenseur, je crois. D'accord. Regarde-moi ce travail. Non mais le cochon et la brunette, ils font pas de sexe, c'est son oncle. Oh. Tonton Page va te faire une révision complète. Tu penses pouvoir le réparer? Je vais essayer, et puis il retrouvera pas complètement ses 20 ans. Il a bien su avoir l'état du cœur d'alimentation. Il a aussi besoin d'un nouveau cœur. Et ça va être à toi de trouver un autre. Ah oui, il faut trouver de l'énergie, ouais, c'est vrai. Ah, un fusible. Comment veux-tu que je trouve un fusible ici? Il lui faut ça. Il est dans un sale état. Putain, mais Jibo, t'es chaud là aujourd'hui. Là. T'arrêtes pas de tacler. Alors. Il faut trouver un fusible. Alors là, on peut descendre au laboratoire. Là, il y a le local électrique. Ah, mais il y a un sacré délai quoi, entre le moment où vous répondez à mes trucs et. Franchement, Hitbox, pas terrible, terrible. Et hop! Et hop! Tout en souplesse! Un esprit sain dans un port sain! Oh la vanne! Donc là, normalement j'ai toute la map maintenant. Ouais, pas sûr de finir aujourd'hui, c'est quand même grand. On verra, on verra. Le ventilo, c'est lui qui fait contact. Il faudrait pouvoir l'orienter comme il faut. Oui, mais je l'ai pas débloqué pour l'instant, je sais ce qu'il faut. Je sais pas, je dois pas avoir ce qui. Je reviendrai là plus tard. Je sais même plus aussi qu'il faut faire des trucs, des photos. Non, c'est pas ici. Faut pas besoin de photos ici. Ok. Mais arrêtez de critiquer les pixels du stream. Je suis triste. On charge droit devant, Jade. Si vous arrêtez pas de vanner, je vais plus streamer après. Je sais plus par où c'est. On va tenter par là d'abord. J'ai pas envie de prendre moins de charge. Oui, c'est pas. Enfin, non, c'est pas vraiment par là, mais il y a des trucs. Regarde les traces. Il est dans le coin. Ah oui. Il a faim. Tu sais, ces trucs-là,
Ça bouffe que du cochon. Jackie Chan, oui, j'ai déjà fini le jeu hein, 4 ou 5 fois, peut-être même plus, sur PS2, sur PC. Je le connais plutôt bien le jeu. Pour leur salle nutrile reconstituée. Normalement, on doit... Je sais pas si on peut prendre... Ah si, c'est ça qu'on peut prendre en photo. Donc, est-ce que vous le reconnaissez, lui? Normalement... Identifié, daté, archivé. Le Aedes Remanis... Vous êtes censé le reconnaître. C'est un peu le moustique qui est présent dans les Rayman. Et dans les premiers, dans les Origins et les... Enfin, dans... Oui, il me semble, dans Origins, il est de retour, parce qu'il y a des niveaux où on le chevauche. Donc voilà, petit... Petit hommage à Rayman via ce... via le moustique. Parce qu'il y a des niveaux mosquito, je sais plus trop quoi dans les Rayman Origins, je m'en souviens. Donc on vient de gagner une perle. Je veux juste regarder s'il y a des animaux dans le coin. Non c'est bon, j'ai tout photographié, c'est parfait. Je peux donc remonter. Ok. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ok, il peut fermer le truc, on s'en fout. Oui, Jibo, je sais que vous regardez pas le stream. Hein. De toute façon, il y a tellement de décalage que vous faites des commentaires sur un truc que j'ai fait il y a une minute, là. Au moins, Hitbox, il y a que 20 secondes. Là, il y a une minute. La semaine prochaine, je crois que c'est Back to Twitch, hein. Pas du tout convaincu. En plus, la moitié des personnes qui attendaient le stream sous Twitch. Ah. Ouais. Mais oui, morfelouille. T'en as pas fichu lourd sur ce coup-là. Heureusement que j'étais là pour déblayer le terrain. Oh, merci, monsieur le déblayeur. Quoi, t'as fermé le stream, Shibo? Tu laisses juste le chat? Merci. Troller. Jibo trollier. Ouais, hey, y'a pas de buffer. Oh, viens sur Twitch, y'a pas de buffer. Gna gna gna, tu parles. Et le stream et le chat, il est super rapide. Ouais, mon cul, ouais. Tu parles. Il y a une minute de décalage, il y a peut-être pas de buffer, mais voilà quoi. Où tu vas, Jade? Fais jeter un œil par là-bas. Bon, d'accord. Ben, je suis coincé chez moi. Sois prudente! Te fais pas de bile! Et là, y'a rien. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a ce truc là. Allez, dégage. Là, on doit pas pouvoir passer. Y'a quoi dans le coin? Ah, y'a un truc, y'a une photo. Double H. Monsieur Encaspal Binôme. Et une photo pour le reportage. Bien reçu, Shoni. C'est la première preuve. Le gouverneur acceptera certainement de te fournir un code. Ok. Fabrique de Nutril. Armoire sécurisée.
Ouais, Adrien, il y a un seul mode de difficulté, on choisit pas. Mais le jeu est plutôt facile, à part le combat final qui est un peu chiant. Soyez prudent. D8, G5. TT. Ouais, Bulltop, tu stream mercredi, hein. Tu vas te prendre une brin indirecte, tu vas pas comprendre ce qui t'arrive. Mercredi, je rappelle quand même. HFR, HFR sur Mario Kart. Twitch en direct ou Hitbox en direct, comme vous démerdez. On verra avec Bulltop, mais Bulltop va se faire défoncer en direct sur Mario Kart. Merde. Je me suis trompé. Donc là, je viens de gagner un objet pour lancer des petits disques. Et hop, ça débloque ça. Ça va aller? Ils m'ont broyé le cerveau. Vous êtes le gars du réseau? C'est vous, double H? Connais pas. Le réseau Iris. Ça vous dit quelque chose? Écoutez, mademoiselle Osiris. Jade. Je m'appelle Jade. Et je ne sais pas du tout comment on va pouvoir sortir d'ici. De ce côté-là, je pense pouvoir vous être utile. Alors c'est bien vous, double H? Double H, triple Z, c'est vous qui voyez, je peux pas vous dire. Moi, je vois plus qu'une seule chose. 10 minutes de plus, et j'ai passé pour de bon. On peut dire que je vous dois la vie. Désormais, vous pouvez compter sur moi, mademoiselle Osiris. Jade. Je m'appelle Jade. À votre service, mademoiselle Jade Osiris. Alors, comme je disais, on vient de débloquer Double H, un nouveau personnage qui va nous accompagner. Et on vient de choper une perle. Et donc maintenant, avec l'appareil photo, je peux lancer des petits disques. Ce qui va être très utile pour choper le truc en bas, le disjoncteur. Le fusible. Voilà, je cherchais le mot. Donc, double H, c'est un gros bourrin qui peut défoncer des barres de fer. Voilà. Il n'est pas très fut-fut, mais il est bourrin. Mademoiselle Osiris, ne vous faites pas de soucis, tout va bien pour moi. Je vais me débrouiller pour trouver une issue. Et normalement, au bout de quelques minutes, vous en aurez rapidement marre de ces trois répliques qui balancent en boucle. Du style Carson et Peters, on casse pas le binôme, et je sais plus la troisième. Et pour l'instant, il remplace pas le cochon, mais après, il va se passer un truc qui fait qu'il va remplacer le cochon. Mais je vais pas spoiler l'histoire. Des perles, est-ce qu'il y a des perles dans le coin? Pas de perles dans le coin. Des animals. Pas d'animaux dans le coin. On verra plus tard. C'est par là. Donc là, on est des... Ah putain, c'est vrai qu'il y a lui là. Je l'avais oublié. Photo d'abord, toujours prendre une photo avant d'attaquer. Et non, Rada, ne t'inquiète pas. Le cochon ne va pas finir à lardon. Il ne meurt pas. Ce monstre n'existe plus depuis des milliers d'années. Allez. Donc on peut le tirer dessus. Et... Oula.
Ah putain, ta mère. Là, je dis pas grand chose, je suis concentré. Hein. Je sais plus trop comment le bat celui-là. Je pense que je suis sur la bonne. Je suis sur le bon chemin là. Je l'ai un peu trop bourriné au début. Encore, t'as pas fini? Bon, allez, lâche mon tonton. Allez hop, dégage. Merci, Jade. Sans toi, je crois bien que j'allais finir en hors d'œuvre avec une pomme dans le bec et du persil dans les oreilles. Tais-toi. Tu me donnes faim. Tu vas me faire regretter. Ok, on a tué le monstre. Il a lâché une perle, sauf qu'elle est en bas. On ira la chercher en sortant du niveau. Shoni, on a reçu un mail de Double H. Tu l'as retrouvé, c'est incroyable. Ouais, il a retrouvé son chemin, tant mieux pour lui. Quoi, ça parle d'émulation là? Je vois que vous suivez vachement mon stream, hein. Parle d'émulation de Wii U là. Ah. Putain, je sers à quoi moi ici? Il faut qu'on retourne au local électrique maintenant qu'on a débloqué le truc qui lance des disques. Je sais pas si on peut envoyer des trucs là. Ça sert un peu à... Ça sert à rien de toute façon. Donc là on rush. Et maintenant qu'on a débloqué le truc, on va commencer par zigouiller le rat et hop, on peut faire tourner ça, chose qu'on ne pouvait pas tout à l'heure. Ah merde, et voilà, tada. Identification compte. Voilà, on va acheter des trucs. Une boîte de K-Bops régénère toute votre énergie. Hop. Ah désolé Zad, mais là je commence à plus avoir trop d'anecdotes en stock aussi, je suis un peu limité. Hé hey, Jade. Oui. Visible à l'horizon. Oui tonton. Juste ce qu'il nous faut pour l'ascenseur. Ne t'inquiète pas, il y a un peu le jus donc je vais pas le retirer quand même. Une clé spéciale. Oui, je sais comment on va la débloquer. Ah, clé spéciale pour mettre... Ah, c'est ces putains de robots là. Ah oui, mais c'est vrai, on peut pas les toucher. Allez, tonton. Allez, bim. On y va. Il va crever le truc là. Ah, voilà. Toi au moins, tu sais parler au concierge. Et une clé de gagner, une. Et grâce à cette clé, on va pouvoir ouvrir des portes supplémentaires qui sont dans le quartier central. Si vous vous souvenez bien, près de la Kudabar, il y a une porte qui est fermée. Grâce à cette clé, on va pouvoir l'ouvrir. On va pouvoir avancer. Attendez, je regarde un truc. Y a pas de perles, il n'y a pas d'animaux. On peut continuer. Alors, non, non. Ah, c'est vrai qu'il y en a plein qui se pointent là, putain. Ah ouais, je m'en souviens maintenant. C'est sûr. Voilà. Est-ce qu'il y a des trucs en plus?
Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. J'ai ouvert la porte que je voulais. Bam, allez. Merde, arrière, arrière. Ah merde, j'ai pas vu lui. Ça va pas fort. Ça me fait mal au cœur. T'as appuyé sur ces petites merveilles de la mécanique. Bon, attends, là je bouffe déjà, hein. On va pas me faire chier. Salut Jivo, merci d'être passé. Ouais, tiens. Allez. Bousin. Tiens. Je t'enfile deux. Merci. Démerde-toi avec ça. Hop, un cœur de gagné. Donc là, je peux utiliser la clé. Un premier fusible. Je sais pas si le courant se... Ouais, le courant se remet, c'est ça. Donc hors appui. Tu me surestimes, Jade. Si tu me files pas quelques APA, je vais rester un boulet pour toi. Hop, et le deuxième. Ouais, c'est vrai, Bulton, tu dois m'acheter une carte graphique encore. Et ma 670 qui est en stock. Comment tu fais pour jouer en attendant? Ça doit pas être facile, hein. En même temps, pour jouer juste avec des jeux de pigeons, t'as pas besoin de grand chose. Starkos, hein, régénère votre énergie d'un cœur. T'as chopé les pigeons, toujours pas? Pourquoi tu dis une petite blague pour la fin? Ah non, mais tu parlais de Ajibo Trollier Z, hein. Ah, c'est vrai qu'il a bien taclé aujourd'hui le taulier, hein. Pas gentil tout ça. Moi j'essaye de faire des streams de qualité et vous arrêtez pas de me tacler. Mais je suis pas convaincu par Hitbox pour l'instant, hein. Vous m'avez fait me déplacer sur Hitbox, mais pas terrible, terrible. Alors, normalement, je dois pouvoir... oui, là c'est par là où on est arrivé. Là, je suis descendu. Donc on va remettre un fusible. Là, il faut qu'on remette le jus. Si je fais ça, voilà, c'est bien ça. Paige, j'ai trouvé du courant. Ouais. Il y a des animaux dans le coin ou pas? Non, non, ils sont pas là. Il y en a un qui est là, pas ce niveau. Ah, je sais pas si ton installation est bien aux normes, mais on va être vite fixé. En tout cas, c'est par là qu'on doit grimper. Ça a l'air de marcher, Jade. Mais j'ai vraiment de la bricole, ce truc-là. Ça tiendra pas longtemps. Ouais, si, ça va tenir. Oh, il me ferme l'ascenseur ou se passe quoi là? Eh ben, finalement on s'en sort pas mal, partner. Oh, t'emballe pas trop, Jade. Si tu veux mon avis, les festivités n'ont pas encore commencé. Allez, grimpe. Thank you.
commence à se corser. Au fait, Jad, tiens. L'autre jour, il y avait aussi ça qui était arrivé pour toi. Tu y jetteras un œil. Hé, hey, t'aurais pu me prévenir. C'est sûrement du boulot. Oui, c'est sûr. Excuse-moi, mais... Mais il y a eu tellement de trucs, Jeanne, tu sais. Un petit zug de gagné. On verra plus tard qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais j'ai l'impression que ça pue pour le cochon, là. D'accord. Moi, ouais. Bon, t'appuies ou... Mais ouais. Mais que font des monstres Toms dans la fabrique de Nutril? Ah, pas mal, ma petite poule. Sans toi, je crois bien que j'étais cuit comme un jambon. Je ne sais plus par où c'est. Il va falloir grimper par là. Jad, reste planqué surtout. On doit d'abord évaluer leur force de frappe. Ok. A tout de suite. Ouais, c'est par là. Ah, là, c'est la partie infiltration du jeu. Donc là, ça va changer un peu. Là, il y a un animal qui est pas loin. On va passer en mode infiltration. Donc là, il y a des ennemis... des sections alpha qui sont là. Et on peut pas les battre, celles-là, directement. On peut pas les affronter, elles sont trop puissantes. Il faut passer en mode... un mode infiltration. Hop, une photo pour le reportage. Donc ça c'est bon. Un truc pas loin. Je ne sais pas trop où. Voilà. Doit y avoir des trucs dans le coin. Je sais pas trop où. Ah, rien là. La caméra qui est un peu merdique. Bon, moi je l'ai pris en photo déjà. Il est où ce putain d'animal? Ouais, Shadback, tu peux les tuer, mais c'est pas conseillé quand même. D'affronter les sections alpha en direct. Bravo, Jad. Ok, ta pellicule est terminée. C'est bon, je te transfère une perle. Et je réinitialise ta pellicule. Une paire de plus. Alors, non, Rada, t'as pas de moment dans le jeu où t'es assez puissant pour les tuer directement, je crois pas. T'es obligé toujours de feinter un peu pour les attaquer. Il y a une partie vraiment d'infiltration du gameplay. Okay, pas, c'est pas du Splinter Cell, mais. Mais voilà, tu peux pas. Tu restes une reporter, t'es pas non plus voilà, un super agent secret qui va les attaquer, quoi. Salut Jackie, salut. Bonne nuit à toi. Donc là je sais pas, je suis bloqué. Paige, Paige, j'arrive. C'était bien ça, fallait revenir par là. Protégez-vous, Fastoclub. Alors voilà, tonton il s'est fait enlever. C'est triste.
C'est triste, c'est triste. Donc voilà. Voilà. Faut pousser ce truc, je crois. On a perdu Tonton. J'ai dit que ça se finissait bien pour le cochon, j'ai pas dit à quel moment non plus quoi. Là il se fait enlever mais tu verras plus tard dans le jeu. Attends, c'est pas. Il est pas mort, c'est pas un Chipolata. On va le retrouver tonton. Normalement. Et là, nickel. Alors, voilà, justement, tonton qui nous avait donné un M-disque, bizarrement, juste avant qu'il se fasse enlever. Ça tombe bien. Jade, tu as hérité du courage et de la générosité de tes parents. Tu sais, je pense souvent à eux. C'étaient des amis très proches. Il y a 20 ans, nous avons été contraints de nous séparer parce que nous avions tous de gros problèmes avec les autorités. Tes parents t'ont confié à moi pour te sauver la vie. Nous avons débarqué sur Elis. À l'époque, c'était une planète pacifique. J'espérais pouvoir t'y élever à l'abri. Mais le conflit s'est généralisé. Maintenant, il faut que tu saches quelque chose. Si j'ai pu venir ici avec toi, c'est grâce au Beluga, le vaisseau spatial que nous avions conçu, ton père et moi. Il existe encore, mais j'ai pas tout à fait fini de le remettre d'aplomb. Tu trouveras le check-up sur mon bureau. Le Beluga est chez nous. Il faut rentrer un code dans chacune des deux consoles pour ouvrir la planque. Je peux pas t'en dire plus sur ce M-disque. Mais j'espère qu'il te sera utile si un jour tu dois te servir du Beluga. Quoi qu'il arrive, bonne chance à toi, Jade. Oncle Page. Bah, vous vous souvenez des consoles que vous avez vues dans le premier stream? Ah bah, ça sert à ça. Celle que j'ai montrée au tout début de mon premier stream, où je vous ai dit ça servira plus tard. Bah voilà, ça sert à débloquer le Beluga, le vaisseau spatial du jeu. Mais pour l'instant, on peut pas y accéder. Non, mais juste un bridau, c'est pas une bombe de fin. Hein. Et il va pas mourir, le tonton. Ok, je pensais que ça allait débloquer les lasers, mais non, ça ferme juste la porte. Tonton ne va pas finir en saucisson ni en lardon, ne vous inquiétez pas. Et j'ai envie de manger du sauciflore maintenant à cause de vous. Mais je peux pas me lever. Alors que j'en ai dans le frigo. Mademoiselle Osiris. Ah. Il y a des gardes dans tout le secteur. Double boulet. Ne faites surtout pas repérer. On se retrouve plus loin. À tout à l'heure. Mais Bulton, mais arrête de vanner là. Mais tu vas te prendre une brinlée mercredi. Tu vas te prendre une carapace bleue dans la gueule. Tu vas pas savoir d'où vient. Quoique non, en même temps, Caras Bleu, tu la recevras jamais parce que tu seras jamais premier. T'es trop mauvais pour ça. Double H nous a prévenu pour Page. Il l'a vu entre les mains des sections Alpha. Ne perds pas espoir, Shoni. Boucle le reportage, c'est comme ça qu'on pourra sauver Page. Non, putain, il verra que des carapaces rouges, c'est tout. Ou des vertes. Y a pas d'animaux par là, pas de père. Non mais là c'est par là où je suis déjà perdu. Si je tente par là, je peux pas. Non, là on peut pas passer, c'est bloqué. Tac. Donc là on s'infiltre en toute discrétion. Personne ne me voit. Donc là vous comprendrez que j'ai pas envie de les attaquer en direct, les sections alpha sont un peu trop nombreuses. C'était qui parlait au fait? C'est qui m'a taclé? C'était Bultom ou c'était Rada? Je ne sais plus. Bon, là on va s'infiltrer. Hein, là, fini la rigolade. On a deux sections alpha là qui nous bloquent le passage.
Il faut qu'on passe de l'autre côté. Donc là on peut descendre si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est ça. On peut descendre, même si je sais pas trop à quoi ça sert pour l'instant. Pas très useful. Hein. On va juste passer dans leur dos. Bon, c'est là, dans ces moments-là, que la caméra est un poil merdique, un des plus gros défauts du jeu. Cette foutue caméra dans les moments d'infiltration qui fait un peu n'importe quoi. Style-là, je vois pas grand-chose en fait. Ok, ça c'est bon, on est passé. Il y a un truc en bas. Il y a des animaux dans le coin et pas d'animaux. Le reportage est plus loin. Il y a des trucs qui se planquent, non? Il y a des rats. Oh! On fait attaquer par les rats, putain! Bon, il n'y a rien dans le coin. Oh putain, j'aurais pas dû courir. C'est bon, il a rien compris. Il me voit pas, il me voit pas, il me voit pas, il me voit pas, il me voit pas. Voilà. Leur seul point faible, c'est de les taper dans la bonbonne. Ça les fait péter. Un, ça va. C'est quand il y en a plusieurs qu'il y a des problèmes. Je n'ai fait que recopier, que récupérer la citation à un célèbre homme politique. Je suis coincé par les flammes. Ah, je suis coincé. Je suis trop emboulé. Ah. Ah, les Shinseiki qui viennent manger le... qui viennent manger le tonton Page là. T'es content là? Ah, c'est bon, il faut ouvrir. Merde. Ah, trompe de bouton. Ah! Bah voilà. Boulet. Boulet, boulet, boulet. Mademoiselle Osiris, si vous n'avez pas d'autre choix, faufilez-vous dans le dos des gardes et frappez leurs bonbonnes de respiration. Elles ont un défaut. On se retrouve plus loin. Bah allez, Rada, viens jouer à Mario Kart mercredi là. Fait. Fais pas ton petit joueur là. Alors, est-ce qu'on a du monde par là? Personne dans le coin. Ok. Un rat. Non, y a rien dans le coin. Hop, on peut contourner en passant par là. Allez, au revoir. Non, c'est bon, il n'y a rien.
Diana. Non, rien ici. Alors là, il y en a deux. Oups là. Ils m'ont pas vu. I am invisible. Totally invisible. Oula, je me suis trompé de bouton. Enfin non, c'est le bon bouton, mais... Ok. Ça, c'est fait. Il y a des trucs dans le coin... Non. Alors... Et on passe tranquillou. À toutes les patrouilles, conservez vos postes et restez en alerte. Interceptez et détruisez. Là, on peut ouvrir la porte. Je sais plus où ça mène là. Ouais, ça mène d'accord à l'entrée pour sauvegarder, nickel. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On avance bien. Il est 22h30. On va voir si j'arrive à terminer le truc avant la fin du stream. Je pense faire arrêter vers 23h. Alors là, on a des mecs en face. Ah, hein, hein. Ah merde, ils envoient des... Ok, invisible, invisible. Il me voit pas, il me voit pas. Pire que Splinter Cell là. Cette discrétion. Chut, chut, chut. Tac tac. Hop. Bon oh, allez c'est bon, je peux avancer là. Il doit y avoir des trucs par là. Je sais plus trop. Ah oui c'est ça, il y a bien un débarras dans le coin. Il y a des animaux pas loin. Je sais plus par où faut passer. Allez les rats, cassez-vous. Eh mais il repop, c'est con ou quoi? Alors là, il y a une machine à Starkos. Ah oui, c'est vrai. Alors là, faut être prêt. Photo. C'est bon, j'ai archivé le cliché. Ok, j'ai fait ma photo. Il doit y avoir un autre truc dans le... coin. Identification compte. Ok. Allez. Un star, une boîte de K-Bops régénère toute votre énergie. Je sais plus si on peut grimper pour là. Je crois pas. Là, ça doit être la sortie. Ah, je savais qu'il y avait un truc dans le coin. Euh...
pas trop par là que je voulais aller. Je voulais d'abord descendre. Bien sûr, tous ces putains de rats ont repopé. Tac, 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 tac. Ouais, effectivement, là, c'est bloqué. J'ai besoin de plus de preuves, Shonen. Ah ouais. Boucle d'abord le reportage et je t'enverrai le code. Shoni, il nous faut des... Oui, c'est bon, j'ai compris. Il est où le troisième truc? Là, il y avait un truc à prendre en photo. Merde, j'ai loupé. Ah zut. Faudrait revenir de l'autre côté alors. Je l'ai loupé ce truc là. Je l'ai loupé, je l'ai loupé. Là ça va être chiant pour revenir en arrière. Parce qu'il est toujours là l'autre save. On va se la jouer à la bourrine. Ça vient de là-bas. Hop, j'y vais. Il a rien vu. Il y a un truc dans le coin là. Je suis bien au bon endroit pourtant. C'est censé y avoir un animal ici. Ah salut Chatbug, bonne nuit. Bon bah on reviendra plus tard parce que là je ne sais pas du tout où il est ce putain d'animal. J'ai pas d'idée. Peut-être qu'on le verra plus tard. Y'a plus d'image chez toi, hein. Bulltop. Tu vois, et après tu dis que ça marche bien, Hitbox quoi. Nawak. Bon, là je sais pas où il est l'animal, tant pis, on reviendra plus tard. Bah, je vais quand même essayer de tous les trouver quoi. J'ai dit que je faisais un stream complet. Mais je crois que la semaine prochaine ça va être retour sur. Retour sur Twitch. Là, je le sens pas là. Bon, normalement, on s'approche de la fin, il me semble. Par contre, je suis pas sûr d'arriver en fait à finir le jeu en 4 soirées. Il me faudrait peut-être une 5ème, je verrai. Je verrai combien de temps il me faut pour le faire en entier. Bon, retour des barres. Ah putain de rat, hein, gonfle. On est où là? Il me reste plus qu'un animal en plus dans le truc. Hein. Bof, soit. Donc je suis là, faut le feinter. C'est bizarre. J'y vais. C'est pas trop compliqué de le feinter. Hein. Tout en douceur. Y'a rien. Je les ai pris ces trucs. Ouais, c'est bon, c'est des araignées. Ah là on va trouver un objet très important.
les jet boots. Les chaussures de Paige. Où est-ce qu'ils t'ont emmené? Et qu'est-ce qu'il y a sous les jet boots? Des codes. Des codes? Mais à quoi vont-ils servir? Vous le saurez plus tard dans le stream. Alors, là, il y a deux passages. Et on chope un disque de surveillance. Là, on peut pas passer. On va voir qu'on va bientôt pouvoir passer. Parce que normalement, il y a des trucs qui se passent. Voilà. Ah! Viens là. Allez, viens là. Oh! Allez! Allez, viens! Hop, hop, hop. Ouais. Alors normalement, il y a un truc ici, local informatique, c'est ça. Ah, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais bon, je m'en souviens à peu près encore. Alors là, on a une vidéo de surveillance. Esclavagiste ! Tu l'as déshabillé pour le conditionnement ? Ah, il est pas mort le tonton. Combinaison et chaussures, tout est dans l'armoire. Il est pas encore transformé en jambon. Pour l'instant tout va bien. Hop, un nouveau M disque. Ah, le fameux manuel de Carson et Peters, très important. Bon, ça, l'armée régulière, les sections alpha. Bon, c'est pas super intéressant ça. C'est les différents ennemis du jeu. Les mines, les robots, les tourelles laser, torpilles, on va les rencontrer plus tard ceux-là. Caissons, les tourelles de défense, les barrières. Et les modules de surveillance et les drones de détection. On va rencontrer tout ça plus tard. On va sauvegarder. Il me semble qu'on est plus très loin de la fin là. Je sais plus s'il y a des trucs de planqués. Je crois pas. Je crois qu'il y avait juste ça. Donc là, on a débloqué l'autre porte. Alors là, on peut pas passer. Il faut une clé spéciale. Là, on n'a pas la clé. On va faire un peu de gymnastique. Et hop, on peut passer. J'ai vu un truc là-bas! Ouais, non, t'as rien vu. Y'a rien! Il se passe rien. Ah, putain, des rats. J'aime pas les rats. Ah, il est où? Ah,
Oh! Ça c'est bon. Pas d'animaux, non. On avait dit qu'il n'y avait plus rien. On prend l'ascenseur. Tchou! Téléportation. Hop là. Y'a rien, y'a rien. Grosse alerte! Putain, je sais même plus comment on les passe là. Je crois que je me souviens. Enfin... Projectile! Hop! Hey, ça va? Le second il se pointe et paf! Voilà! Easy! Easy peasy! Hop, y'a rien qui se coche. Oh, oh la caméra! Oh la caméra qui va n'importe quoi! Oula oula. Le reportage est pas très loin. Donc, je crois qu'on arrive vers la fin là. De qui? Tu arrives tard mais tu es là. Oh putain. Nope 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 nope. Nope nope nope. Donc c'est pas compliqué. On fuit, on revient et hop. Bizarrement ils m'ont totalement oublié. Bon, y'a plus grand monde, je pense. C'est assez calme là, ça parle plus trop sur le chat. Le temps est parti donc ça rage moins. Ram, ram. Ah oui, je sais. Je sais. Non, je ne suis pas passé du côté hipster de la force. Hitbox, c'est nul apparemment. On m'avait vendu un chat qui marche très bien, mais il y a encore plus de lag que d'habitude. Donc je pense revenir sur sur Twitch. Merde. Non, c'est par là. Ok, je sais plus. Je vais me faire cramer la gueule si je passe par là. Je vais pas grimper. Ah non, je peux passer en dessous en fait. Je pensais que j'allais me faire cramer, mais non. Très bien. Normalement, j'ai mon reportage qui est juste là, c'est ça. Donc voilà à quoi ressemble un section alpha sans son casque. Mais là, faut que je prenne une photo. Y'a pas un truc où on peut faire un saut? Non. Alors, donc là on peut taper. Paf paf. C'est automatique ou pas? Non. Même pas automatique ces plateformes. Alors un petit garde qui est dans le coin. Bim boum. Alors. Ah,
Osiris. Oui, double H. Vous avez vu les sections alpha? Regardez leurs têtes, ils ne sont plus humains. Ils sont contrôlés par les Noms. Il faut absolument que tout le monde sache ça. Envoyez vite une photo au réseau Iris. Je continue à chercher une issue. Ah, les sections alpha sont contrôlées par les Noms. Quelle révélation! On s'y attendait pas du tout. Bravo, Shoni. On publie. Je transmets aussi au gouverneur. Elle t'enverra le code de la salle d'embarquement. Allez, on continue. On va bien finir par se retrouver. Tiens, il y a de la poiscaille là. Je l'ai pris en photo celle-là. Ouais, je les ai déjà, merde. Alors. Oula. J'ai vu un truc là-bas. Non, t'as rien vu du tout. J'y vais. Un abominable trafic d'êtres humains dans la fabrique de Nutril. L'épreuve dans le numéro 513 de Iris. Ah, mon reportage est en train d'être vendu. Je crois qu'on tient. Ouais, c'est bon. J'ai le code pour la salle d'embarquement, c'est cool, je peux retourner là où j'étais tout à l'heure. Faut juste que j'arrive à passer. Ce qui est pas gagné. T'as rien vu. Hop là. Je me casse, je m'en vais, je suis pas là. Et je retente. Il me voit pas du tout. Je suis invisible. Projectile ! Non, non. Oh merde. Oula, pas le bon direction. Ouais, Radha, il parle pas là. Plus personne qui parle là. Je fais plus de viewers sur Twitch, hein, c'est sûr. J'ai vu un truc là-bas. Eh, mais tu m'auras pas vu là. Comment tu m'as vu là? Je suis planqué. Ah, bon, dans les couilles ça marche pas. Oula, pas par là. Y'a que la bonbonne. Eh non, y'a rien. Bon, ce passage est légèrement chiant. Ouais, mais attends, oh, comment tu m'as vu là? Oh, bah, je suis planqué, attends. Putain. Oh. J'ai vu un truc là-bas! J'y vais! Oh, bah, ok, on va tenter autre chose. Ouais, en fait ça marche aussi. Sans quoi être con. Là y'a rien. Ah ouais. C'est vrai qu'il y a ce passage. Bon, lui il me gonfle. Oh,
Oh, démerde-toi. J'approche de la fin là. Tac, tac, tac. On doit pouvoir revenir après. J'approche. Je le sens là. Attends, le mec il me voit pas quoi là. Ah merde, ils sont deux. C'est pas grave. Zone nettoyée. Est-ce qu'il y en aura un ou deux là? Ah putain, on n'y voit rien avec cette caméra. Il y en a un, il y en a deux. Il n'y en a plus qu'un là. Et la clé carrée. C'est bon. Je m'approche, donc là on s'approche de la fin. On s'approche. Là c'est par là d'où je suis venu. Ah non, mais non, reviens. Par là. Maintenant j'ai la clé carrée, c'est bon, je peux passer. Ok, c'est par là. Hein? Quelque chose là-bas. T'as pas vu? Oh non! Oh, fais chier! Et les mecs, ils m'ont déjà oublié. Moi, tu te retournes ou pas? Non? Ok. Y a toujours ce putain d'animal qui est juste là-bas et que j'ai pas trouvé, que je sais pas où il est quoi. J'ai peur de pas pouvoir y revenir après. Ouais, on va tester, on verra bien, hein, je sais pas. Ah, c'était quoi déjà les mails, ils sont où? Mail. Code 3, Q6M6. Q6M6. Ah ouais, boss fighting. Qu'est-ce qu'il faut prendre en photo? Ah si, je crois qu'il faut prendre.
Tonton! À toutes les patrouilles, activez l'embarquement. Ah, il fait la gueule. Le cochon est bien réceptionné. Il devrait arriver. Le cochon est dans la place. Excellence? L'incident est clos, Excellence. Mes troupes d'élite ont localisé et neutralisé tous les ne vous inquiétez pas, Excellence. Je vais régler ce détail moi-même. Allez, boss. On va juste commencer par manger ça. Ah merde. Ah oui, je sais comment le voir. Un souvenir. Sans les Peters. Je m'en souviens. Ah, c'est pas... Hop, hop, hop. Voilà. Allez. Allez, tape! Ça va, c'était pas trop compliqué quoi. Quand on sait comment le battre, bon, voilà. Et une paire de gagner, une! Tentative d'action terroriste du réseau Iris à la fabrique municipale de Nutril. Grâce à l'intervention des sections Alpha, la chaîne de production a heureusement pu être sauvée et une partie du gang écrouée. Donc voilà, on voit que la communication officielle est faussée, hein, parce que c'est nous les terroristes. Et c'est les sections Alpha les héros. Et nous on va faire ressortir la vérité. Hop, une paire de plus. On peut ressortir par là, mademoiselle Jeanne. Ressortons par là. Ouais, un cœur en plus. Okay. Ce qu'on pourrait faire... Je sais plus comment ça marche. On a pouvoir... Sac. Yep, on peut enfiler un à double hache. Je pouvais en donner un au tonton, mais comme je savais que le tonton il allait se faire kidnapper à un moment ou à un autre, je l'ai pas filé. Là je l'enfile un, hein. Comme ça il en a 3.
et il sera un peu moins casse-couille. Hop, je sauvegarde. Pour sortir par là, oui, j'ai la clé. Si je fais ça, non, l'animal que j'ai pas trouvé, il est là, je comprends pas. Bon, au cas où je reviendrai à la fabrique, tant pis. Il est dans cette. Là, il y a une. Perle en bas, c'est normal, c'est celle du premier monstre qu'on a tué. Il faut récupérer avant de partir. Et il y en a une là, il y en a un animal qui est là et. Parce que là, là on prend l'ascenseur. Donc on va repartir en bas, ok. Attends, je vais aller jeter un coup d'œil quand même, on sait jamais. Je sais pas si. Ah ouais, mais c'est fermé, je peux pas revenir. De toute façon, je peux revenir en arrière. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Au cas où on reviendra plus tard dans le dernier stream. Je referai un passage pour tout boucler. Je termine pas le jeu. Enfin, j'arrête pas tant que j'ai pas toutes les perles. Et tous les animaux. On va tout faire. On est sur le bon chemin, la sortie n'est pas loin. Et là, normalement, je dois plus être au bon niveau. Tant pis, je reviendrai au cas où. Hey, tu reconnais l'endroit ? Affirmatif. M'ont volé la moitié de mes souvenirs derrière cette porte dans leur machine de malheur. Est-ce qu'on peut remonter par là ? Il remarche l'ascenseur ou pas ? Non. Bon. Par où la sortie ? Oh, il est où, double audio là ? Non. Oh, il est où ma couille là? Bah, c'est où machin? Putain, il a disparu. Ah non, il est là. Ok. Tu peux te laisser tomber. Non, là, ça sert à rien que je passe par là. Y'a rien. Je les ai tous. Non, non, ça ne sert à rien. Ah oui, je peux redébloquer ça. Allez. C'est par là, mademoiselle Jade. Non, tu crois? Par où? Ah, c'est par là. Ok, heureusement, il manque la sortie. C'est vrai, je suis paumé. Mademoiselle Jade, il y a une perle abandonnée en contrebas. Oui, je sais. Voilà, je suis bloqué. C'est pas là, non, c'est pas là qu'il y a les animaux. Ok. On est bientôt à l'air libre. Paige est membre du réseau Iris? Peut-être. Je sais pas. Je sais juste ce qu'il était pour moi. Au fait, t'as retrouvé la mémoire, toi, on dirait? Tu refais surface? J'essaye. Mais j'ai un mal de crâne terrible. C'est leur machine qui m'a complètement lessivé. Et là, normalement, je suis de retour à l'entrée de la fabrique. Donc on reviendra une autre fois pour choper le dernier animal. On verra un autre jour. Vous êtes venu en Overcraft? Vous avez réussi à passer le gardien? Et on peut se barrer. Hop là, je chope la perle, c'est bon. On peut le prendre en photo au cas où si on l'avait pas fait pendant le combat, mais moi c'est bon. Et ciao!
coincé. Non, je peux pas tirer ici, c'est trop dangereux. Ah merde, c'est pas où alors? What? Merde, comment qu'on sort? Ah oui, je sais. Je sais. Je pensais qu'on pouvait se barrer. Vous vous souvenez de ce que je vous ai montré au début du stream? Les barreaux, on pouvait pas passer. Et voilà, on va pouvoir maintenant. Grâce à ce cher double H. Allez, moigne-toi. Le mécanisme est juste là-bas. Oui, bah vas-y. Je dois pouvoir dégager le passage. Allez, Carson et Peters. Le mécanisme est juste là-bas. Voilà. Je dois pouvoir dégager le passage. Il va falloir trouver un fusible dans le secteur. Ah, mais c'est bon, j'ai un dieu. T'inquiète. Et voilà. Mademoiselle Jade, ce truc me ronge de l'intérieur. Je ne pourrais pas résister longtemps. Oh. Les gars d'Iris, ils pourront peut-être faire quelque chose pour moi. C'est ma seule chance. Guidez-moi jusqu'à Iris. Je vous en supplie, Mademoiselle Jade. Je n'arrive plus à respirer. Il faut faire vite. Je me branche sur mon circuit auxiliaire. Ah merde. Ça ne durera pas longtemps. On achète à bouffer avant. Bon, c'est bon. Ah, j'y vois plus rien. Bon, 4 minutes 30 et on s'arrêtera là pour ce soir. Allez. Mais il est où? Putain, gros boulet quoi. Hein. Donc on va aller le faire soigner. Tiens bon, ça va chahuter un peu. Courage, on est sorti de la zone interdite. C'est bon, on arrive. Ah, j'y vois plus rien. Où êtes-vous, Mademoiselle Jade? Allez. Où êtes-vous, Mademoiselle Jade? J'ai bien une idée, mais... Par ici, vite! C'est ouvert! Nino! May! Vite! Double H est avec moi! Il a besoin d'aide! Double H au rapport! Les sections Alpha ont pris possession de... chaussures. À vos ordres. Hub! May, faut lui donner notre dernière dose d'antidote. Hub, tu m'entends? Réponds-moi! Son pouls descend à toute vitesse. Dis-moi quelque Prépare chose, l'injection. Dis-moi, May! Mais grouille, il est en train de partir! Je suis là, Hub, ça va aller. Ah, aïe. Ah,
Tiens bon, ça va aller. Grâce à toi, Jade, Hub est sauvé. Oui, je... C'est un costaud, il s'en remettra. Dans deux bonnes semaines, il sera sur pied. Mes amis, je crois que Jade vient de nous offrir une formidable démonstration de courage. Bravo, Chalette. Bien, viens voir maintenant. C'est là que sont acheminées les victimes. Là qu'ils ont emmené ton oncle, Jade. Les anciens abattoirs. Ton prochain reportage. Jade, je voulais te dire que ton reportage à la fabrique a eu beaucoup d'impact sur la population. Les Iliens nous ont spontanément témoigné leur soutien. Ouais, des perles. Plein de perles. C'est pour toi. Ça te sera utile pour la suite. Jackpot. Je reviendrai prendre des nouvelles de Double H. Non, voilà. On a fini la fabrique de Nutril. OCPLB, on casse pas le binôme. Carlson et Peter, page 823. Ah, il se remet vite. Et voilà, il va nous suivre partout. Donc maintenant, prochain danger, c'est d'aller aux abattoirs. Mais ça, ça sera pour la prochaine fois. On casse pas le binôme. Mais ouais, Carlson ta gueule. Et Peter, page 823. Donc la prochaine fois, ouais, ça va être mission secondaire, puisqu'on va débloquer plusieurs trucs. On va débloquer le truc pour sauter par-dessus les lasers rouges. Donc ça va nous faire débloquer plusieurs perles. Ça va être, donc je vais faire ça en début de stream la prochaine fois. Grâce au laser, on va pouvoir débloquer d'autres perles. Donc je vais faire plusieurs missions secondaires en début de perles, en début de stream la semaine prochaine. Mais pour finir ce stream sur une bonne ambiance, je vais tenter Francis une deuxième fois de la soirée. Donc il m'a humilié la semaine dernière, il m'a humilié 2-0 en début de stream, je vais retenter, pour l'honneur. Enfin, j'ai bien sauvegardé avant quand même. Parce que... Ah c'est bon, j'ai sauvegardé, 3h57 de jeu... Allez, et après on arrête. Il n'y a plus personne qui regarde. Vous êtes plus que deux sur le stream, c'est pour vous. Ah. Mais c'est pas vrai. Bim, 1-0. Allez. On souffle 2 secondes, on se remet 1-0, là c'est parti. Oh bam! Bam! Allez! C'est qui le patron? C'est qui le patron? Ah! Voilà! Voilà, voilà! Donc je peux sauvegarder en toute fierté. Et je peux arrêter ce stream en toute fierté. Vous serez, vous êtes 4. Vous êtes 4 à avoir vu ma victoire sur Francis. Ma victoire 2-0. Hein? Donc voilà, c'est juste pour vous, c'est en exclusivité, il est 23h16 et j'ai battu Francis. Ah, voilà, ça fait du bien. Et donc ça sera sur cette victoire, j'ai sauvegardé déjà, je re-sauvegarde juste pour être sûr. M'en fous, je suis sûr mon coup. Voilà, il est battu, j'ai sauvegardé et je peux m'arrêter là. Voilà, j'arrête là, j'arrête sur cette victoire. J'ai battu Francis, je suis fier de moi.
Donc, ben, aux 4 qui sont là, ben, merci d'avoir suivi, et même à tous ceux qui sont passés dans la soirée. Apparemment, ça marche pas des masses, Hitbox. Ah, Jackie est de retour, hein, plus Jackie Chan. Ouais, pas sûr donc la semaine prochaine que je restream sur Hitbox, puisque j'ai l'impression que le chat a plus de lag que quand je suis sur, sur Twitch. Donc, je suis pas très convaincu sur ce coup-là. Il y a un gros délai apparemment, il y a une minute de délai j'ai l'impression, donc au moins Twitch il y en a 20 secondes et c'est 20 secondes constant quoi. Donc je pense que je serai de retour sur Hitbox, sur Twitch la semaine prochaine. Pas convaincu. Mais bon, faut bien tester. Ben donc, merci à tous d'avoir suivi pour cette deuxième partie de Beyond Good and Evil. Et moi donc je vous dis rendez-vous lundi prochain pour... une nouvelle session de Beyond Good and Evil, parce que le lundi c'est Jackie. Et je vous donne aussi rendez-vous mercredi sur le Twitch de Bulltom pour le voir se prendre une grosse branlée sur Mario Kart. Et à tous ceux qui sont là, Rada, Shadback, normalement ils devraient être là. Donc je vous donne rendez-vous lundi prochain et mercredi sur Mario Kart chez Bulltom. Allez, ben merci, à plus, à la prochaine. Bonne soirée, bonne nuit.